à Verberie, la rue principale porte le nom de Juliette Adam. Cette dame était ce qu'on a appelé tout au long du 19e siècle une femme du monde, c'est-à-dire l'une de ces femmes issues de la bourgeoisie, le plus souvent militantes de la condition féminine, qui se sont passionnées pour la vie politique de notre pays au point d'influer sur le cours des événements de leur époque. Féministes, républicaines, écrivaines, journalistes, polémistes et bien plus encore, Juliette Adam entre sans aucun doute dans cette catégorie. Fille de Jean-Louis Lambert, un chirurgien progressiste, Juliette Adam est donc née à Verberie le 4 octobre 1836. Après une scolarité brillante, elle épouse à 17 ans Alexis Lemessine, un avocat originaire de la Marne. En 1859, toute la famille s'installe à Paris, où Juliette se fait remarquer des milieux littéraires grâce à l'ouvrage qu'elle vient de consacrer à la pensée de son contemporain Pierre-Joseph Proudhon, l'un des premiers théoriciens du socialisme, idée antiproudhienne sur l'amour, la femme et le mariage. Membre active de l'Association pour l'émancipation progressive de la femme, présidée par son ami la célèbre George Sand, Juliette Lambert, Santé, c'est le pseudonyme qu'elle s'est choisi, y développe en effet un certain nombre d'idées originales qui lui ouvrent les portes de plusieurs salons républicains créés à l'époque en réaction contre le régime de Napoléon III. En 1862, une affection des voies respiratoires contraint la jeune Juliette, âgée de 25 ans, de passer plusieurs mois à Cannes. Comme à Paris, elle consacre l'essentiel de son temps à l'écriture. Juliette atteint une notoriété telle que dès son retour à Paris, elle est accueillie dans l'un des salons républicains les plus réputés de la capitale. Mais Juliette Lambert ne rêve en fait que d'ouvrir son propre salon. Ce qu'elle fait en 1868 à son domicile, où elle tiendra table ouverte chaque lundi soir jusqu'au décès de son mari quelques mois plus tard. Dès l'année suivante, elle épouse son amant, un banquier libre-penseur de 20 ans son aîné, connu pour son appartenance à la franc-maçonnerie et pour ses convictions républicaines, Edmond Adam. Désireux d'entamer une carrière politique, il participe activement en 1869 à la création du nouveau salon que Juliette se propose d'ouvrir. Mais l'expérience va tourner court en raison du déclenchement l'année suivante de la guerre de 1870 entre la France et la Prusse. Il faudra attendre la défaite de Sedan et la Commune de Paris pour que le salon de Juliette Adam prenne véritablement son essor et devienne l'un des principaux centres d'influence du mouvement républicain. En effet, outre des écrivains engagés comme Maupassant, Hugo ou encore l'éditeur Jules Hetzel ou le savant Camille Flammarion, il accueille régulièrement toutes les têtes d'affiches du Parti républicain, Louis Blanc, Georges Clemenceau, mais surtout Léon Gambetta. Pour le soutenir et pour faciliter la suite de la carrière du futur Tigre, Edmond et Juliette Adam créent ensemble un journal intitulé « La République française ». Ils vont contribuer, chacun de leur côté, à faire triompher les idées républicaines contre les partisans du retour à la monarchie au milieu de la décennie 1870. Élu député en 1871, Edmond va devenir le conseiller le plus fidèle d'Adolphe Thiers et voter en faveur des lois constitutionnelles républicaines en 1875. Juliette organise dans son salon des rencontres régulières entre les leaders républicains et les responsables des milieux financiers acquis à la cause républicaine. Edmond meurt en janvier 1877, laissant Juliette veuve pour la seconde fois. Mais qu'à cela ne tienne, toujours aussi active et volontaire, Juliette n'hésite pas une seconde. Grâce à l'immense fortune que lui a léguée son mari, elle est tout à fait décidée à reprendre seule le flambeau de la cause républicaine. Mais assez vite, le charme va se rompre. Les républicains ne voient plus guère de l'utilité de fréquenter les salons de la capitale. De plus, après l'adoption de la loi du 10 juillet 1881, relative à la liberté de la presse, tous les salons politiques
vont finir par disparaître. Dès le début de l'année 1879, Juliette a la bonne idée de créer son propre organe de presse. Avec l'appui d'Émile Girardin, l'un des journalistes les plus influents, et de plusieurs hommes d'affaires connus, elle opte pour la création d'une revue politico-littéraire, la Nouvelle Revue. Le premier numéro sort le 15 octobre 1879. L'intention est claire. Avec cette publication, Juliette entend, certes, s'intéresser à la vie littéraire du pays, mais elle espère surtout conserver le rôle de guide de la classe dirigeante républicaine. Avec l'existence d'un Parlement, les nouvelles classes dirigeantes se trouvent face à une nouvelle façon d'exercer le pouvoir, écrit-elle dans son premier éditorial. Autre intuition forte de Juliette Adam, celle de donner à la politique étrangère une place privilégiée dans sa revue. C'est ainsi que pendant une vingtaine d'années, tout en restant fidèle à sa vocation littéraire, elle donnera leur chance à Léon Daudet, Alexandre Dumas-Fils ou encore Pierre Loti, la revue de Juliette Adam apparaît avant tout comme un organe de combat contre la politique extérieure de l'Allemagne. Pour avoir longuement travaillé avec Gabriel Hanotaux, le ministre Picard des Affaires étrangères à la visite du Tsar à Paris en 1896, Juliette Adam occupe une place éminente dans la délégation française qui accompagne le président Félix Faure lors de la visite d'État qu'il accomplit en Russie quelques mois plus tard. Persuadée qu'elle vient de voir s'achever triomphalement une nouvelle fois l'un de ses grands combats politiques, Juliette commence à songer à la retraite. C'est ainsi qu'en 1898, elle revend la Nouvelle Revue. Et en 1904, à l'approche de ses 70 ans, elle décide de quitter la vie parisienne pour se consacrer à la rédaction de ses mémoires. Une somme de 7 volumes, intitulée tout simplement « Mes souvenirs », qui va l'occuper pendant une dizaine d'années et qui constitue aujourd'hui encore l'un des témoignages les plus intéressants sur l'histoire littéraire et politique de la France au cours de la seconde moitié du 19e siècle. L'ouvrage attire l'attention de nombreux journalistes étrangers et une sorte de mythe Juliette Adam se développe dans toute l'Europe occidentale. Un critique anglais ose même l'appeler la grande française ou l'égérie de la Troisième République, car elle a su, selon lui, éclairer le destin de son pays. Pendant la Grande Guerre, Juliette reprendra quelquefois la plume pour exalter le courage des soldats français, ce qui lui vaudra d'être la seule femme à assister le 28 juin 1919 à la signature du traité de paix de Versailles. Ce jour-là, Clémenceau pensera à l'inviter en souvenir de leur combat commun. Elle vivra encore plus d'une quinzaine d'années en partageant son temps entre Gif-sur-Yvette et Golfe-Juan. Et c'est dans cette région où elle aimait séjourner qu'elle mourra le 23 août 1936, quelques jours avant son 100e anniversaire. Depuis lors, elle repose au cimetière du Père-Lachaise, aux côtés d'Edmond Adam, son mari.